Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, une série que j'avais très hâte de vous faire sur mon tout premier jeu que j'ai eu entre les mains, qui m'appartenait vraiment. Je veux bien sûr parler de Pokémon version Saphir. Oui, d'accord. Merci. On se retrouve donc sur Pokémon version Saphir, un jeu sorti en 2003, édité par... développé par Game Freak et édité par Nintendo. Mais ce Pokémon Saphir est un poil différent des autres. Comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? C'est très simple. Ce Pokémon est en full random, c'est-à-dire que les objets, les types, les attaques, les Pokémon, tout est randomisé. C'est-à-dire que tout est au hasard. Donc, au début, je voulais vous faire un random Nuzlocke Challenge, c'est-à-dire que les Pokémon, juste les Pokémon sont changés. Et puis ensuite, je me suis dit... on est quand même sur Pokémon version Saphir qui est ton premier jeu, alors fais un truc que tu n'as jamais fait. Et bah c'est ce que je vais faire. Je vais faire... alors, je trouve que le son est vachement fort, excusez-moi. Après je sais que j'ai un casque qui met les sons très forts, mais bon, je tiens pas à vous péter les oreilles non plus. Alors, bonjour, désolé pour l'attente, bienvenue dans le monde des Pokémon, je m'appelle Seko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Alors déjà, vous pouvez voir que le Pokémon de la... qu'il montre n'est pas le même, puisque normalement c'est un Inupio, je crois, qu'il montre, et là c'est un Wailmer. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas les Pokémon, bah, sortez de votre grotte, hein, j'ai envie de dire, voilà. Et bah voilà, hein, on va tous s'amuser, on va s'amuser tous ensemble sur ce full random Pokémon version Saphir. Voilà. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pokémon, ouais. Nous les humains vivons avec les Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Es-tu un garçon ou une fille? Alors, depuis quelques temps, j'adore prendre des filles et tout. Mais en fait, là, je prendrai pas de fille parce que le nom du mec, c'est Brice. What? Quand tu prends un mec, la fille s'appelle... la fille s'appelle Flora. C'est super classe comme prénom. Tu prends un mec et tu tu prends une fille justement et tu obtiens Brice comme nom. Je suis désolé, c'est pourrave. Alors comment on va s'appeler? Eh ben on va s'appeler... voilà. Mince. On va s'appeler Kaito. Voilà. Oui. Ah mais c'est vrai. Tu es Kaito, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol où j'habite. Je me souviens maintenant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mémoire, le vieux, hein. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard au labo. Viens me voir au laboratoire. Bref, pareil, ça revient au même. Ah là là. J'ai toujours kiffé ce jeu. Et bah, je sais pas pour vous, je trouve que les Pokémon, c'est un jeu... bon, mis à part la 6ème génération qui a des Pokémon qui ne ressemblent à rien, ça j'annonce, hein, moi bien que j'y ai beaucoup joué à Pokémon version Y, ouais, Pokémon Y, franchement je trouve que les Pokémon n'ont rien d'extraordinaire, bien au contraire. Et voilà, donc moi c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que... au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et ce qu'ils font avec Pokémon, c'est du n'importe quoi. Bientôt, on va se retrouver avec des fourchettes en tant que Pokémon. On a déjà des épées, donc les fourchettes, c'est pour bientôt. Kaito, on est là, chouchou. Chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre, tu ne trouves pas? Et tu as ta propre chambre, Kaito. Allons voir. Ah oui, ça c'est un truc qu'il y a dans Pokémon Y, enfin XY, la mère a un lit, alors qu'avant, jamais elle n'avait de lit. C'est... alors Kaito, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Kaito, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, chouchou. Papa a acheté une horloge, nana. Alors, au début, quand... Dans Saphir, quand vous commencez Pokémon et tout, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces Pokémon? Et en fait, j'ai mis plusieurs années pour découvrir que c'était des match hoppers. Et pareil pour les Vigoroth de version émeraude, j'ai mis plusieurs temps avant de découvrir que c'était un Vigoroth. Voilà. Et j'ai je sais plus le mot, de petits trucs comme ça à vous annoncer, des trucs marrants, des... voilà. Ouais, voilà. Bon, on va commencer à jouer, hein, parce... Oh, Kaito, vite, viens voir. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentine. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Professeur Seko. C'est notre voisin. Tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Oui, bah allons nous présenter. Alors, il faut savoir que le perso qu'on a là, vous voyez, il a des trucs blancs. Et au début, j'ai toujours cru que... ses cheveux étaient blancs, qu'en fait le dessous était marron et que le dessus était blanc, et qu'en fait c'était un bandeau qu'il avait. Et il y a 3-4 ans de ça, j'ai découvert qu'en fait il portait un bonnet. Voilà, c'était la petite annonce, voilà, rigolote. Oh bonjour, qui es-tu? Tu es Kaito, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi, notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller la voir à l'étage. Putain, et les gens, si on n'a pas compris qui ils sont, je veux dire, mec qui parle de Pokémon 7 fois dans l'intro, notre mère arrête pas de nous appeler Kaito, sa fille elle en parle 3 fois, Pokémon en pleine santé, objet prêt, et... Hein? Qui es-tu? ... Oh, tu es Kaito, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Kaito, par mon papa, le prof Seko. J'espérais que tu serais sympa, Kaito, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Kaito. C'est bon, on a compris que je m'appelais Kaito. C'est bon. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Kaito, on se retrouve plus tard, ok? Putain. Eh, franchement, c'est abusé. J'avais oublié qu'ils nous appelaient autant de fois par nos prénoms et tout. Enfin, limite, on est des teubés, quoi, parce que on a peur de d'oublier comment on s'appelle. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. T'inquiète, on y va. Ah, à l'aide! Alors, est-ce que ici, les Pokémon seront changés? Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Yeah. Alors, nous avons un Tropius, un Hippowdon et un Hermure. Alors, vu que les niveaux sont totalement changés, je ne sais pas qui choisir. Allez, hop, on prend Hippowdon. Dites-moi dans les commentaires qui vous aurez pris. Et puis voilà, juste comme ça, pour savoir. Sécheresse du Maïdena, ok. Alors, notre Hippowdon, c'est un... quel type? Alors, il est type eau, il a absorbe 2 volts, acide armure, verrouillage, balle brume. Pfiou, on a quand même une attaque qui fait mal. Parce que là... Par contre, j'ai pas l'impression que les types soient changés. J'ai pas l'impression que les types soient changés, c'est assez embêtant. Surtout qu'en plus, le Pokémon qu'on a, c'est... Enfin, il a que 5 attaques. Donc, ouais. C'est pas... Il est pas génial, hein. Prof Seko, ouf, j'oubliais, nanana, tu m'as sauvé. Oh, c'est toi Kaito, c'est pas un endroit pour discuter. Passe me voir en labo. Alors Kaito, ton père m'a beaucoup parlé de toi. m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ces derniers combats. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire pour te remercier, je vais te donner le Pokémon. Alors on reçoit un Hippowdon. Un Hippowdon qui est nul, carrément. Enfin, faut se l'avouer, il n'a qu'une seule bonne attaque. Donc, on va lui trouver un surnom. Nouilleur, parce que c'est un mélange entre nageur, noyer bien sûr. Alors j'avais pensé à nageur, à nul, et bah, je crois que c'est ça. Je sais plus pourquoi je pense. Nul, nageur. Il y avait un troisième mot aussi, c'est pour ça. Bref, tant pis, vous avez compris le principe. Ah oui, pardon, oui. C'est voilà le principe. Bon, on va s'entraîner un petit peu, je pense monter niveau 6, 7, parce que si on tombe sur un Pokémon de type spectre, on sera bien dans la merde, dans le caca. Cool, hein, Roucoups. Bah, on peut pas savoir leur type, mais en fait si, on peut savoir leur type si on tombe sur un... Ok, il a ligotage. Si on tombe sur un Pokémon de type poison qui a pas de type poison. Bon, au pire, si les types ne sont pas changés, j'ai envie de dire tant pis, c'est pas grave, hein. J'ai déjà pas mal de choses qui sont randomisées. Les stats et tout sont randomisés, hein, bien sûr, je l'ai pas dit, mais voilà, tout a été randomisé. Sauf, j'ai l'impression, les types. Bah tiens, on va pouvoir savoir si c'est randomisé ou pas. Ah bah non, ce n'est pas randomisé. Enfin oui, justement, c'est randomisé. Ah, c'est une très bonne chose. Waouh. Wow. Ok, alors on va s'enfuir. Donc oui, c'est randomisé parce que c'est une attaque de type... D'ailleurs, je voudrais voir un truc. Merci le rapport internet qui me dit que... Oula, tout qui tombe. Excusez-moi. Je sors le cahier spécial Pokémon et je regarde un truc. Alors, Hippowdon. Non, c'est dans les Hippocéans. Hop, Hop, voilà. Hippowdon. Ouais, c'est un type eau et dragon. C'est bien ce que je pensais. Donc, étant donné que c'est un type eau et dragon, on n'a que le type eau. Donc, oui, c'est bien randomisé. Donc, en fait. Bah, on a eu une certaine chance d'un certain point de vue et d'un autre non, parce qu'il a qu'un seul type, c'est dommage. Il aurait pu en avoir deux. Donc on a rencontré un Roucoups, un Nido King et un Yamma, pardon. Yamma, c'est la 4ème génération. Et il n'y a que le Yamma qui est sensible à nos attaques, puisque on a bien vu le Nido King, c'était pas du tout efficace. Un rapace de pique. Hop. Bon, c'est sympa. Oh, en plus, il est faible à nos attaques. Ça, c'est... Oula. C'est un rapace de pique de type combat. Vous imaginez le rapace de pique avec les gants de boxe à la place, sur les ailes, sur le bout des ailes. Bref, pardon. Excusez-moi. Ouais, on est déjà niveau 6. Bon, ça va être rapide en fait, puisque même l'XP n'est pas... Enfin, est randomisé, donc... Enfin, non, justement, il n'est pas randomisé, donc justement, en trouvant des Pokémon de haute évolution, on gagne plus d'XP. On gagne aussi plus de... Enfin, c'est aussi plus dur, hein, à capturer tout, parce que, par exemple, on va prendre un... Bah, un rapace de pique niveau 3, il sera plus difficile à capturer qu'un piafabec niveau 3. Voilà. Oh, un trio piqueur. Joli. Dommage qu'on n'ait pas d'attaque haut. Oh, ok, alors on va s'en aller. On va s'en aller. On n'empêche, on a trouvé que des Pokémon... Ah non, de la première... de la... J'allais dire que des Pokémon de la première génération. Mais non, il y avait Yamma. Un Fantominus. Alors, Balboum. Yeah. Ok, mais ça lui fait pratiquement pas de dégâts, donc on va arrêter là et hop, voilà. J'ai fait un petit accéléré, c'est hop, vous voyez, hop pour aller au centre Pokémon le plus rapidement et oui, voilà. Hop, on va le faire monter jusqu'au niveau 7 et ensuite on... Waouh, Amonistar. Ce Pokémon, je l'ai toujours trouvé super stylé. Ok. Bon, bien sûr, mon préféré des Pokémon fossiles de la première G, c'est sans nul doute Kabutops. Hein, je pense que c'est le préféré de pas mal de monde. Alors, eux, ils prennent pas. Voilà. Allez. Oh, un Coraillon. Donc, ouais, pour moi, Pokémon préféré, c'est... C'est... Kabutops. Que je trouve juste... parfait. Ok, nous avons un Coraillon qui connaît aile d'acier. Pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est la seule attaque qu'il connaît. Allez, augmente ta défense si tu veux. Voilà, toi tu meurs. Hop, on va retourner. Alors, c'est vraiment dérangeant qu'il ait qu'une seule attaque. De toute façon, il pourra pas évoluer, donc... Alors toi non, hop. Oh, un Nidorina. Yeah. Eh, le Coraillon, il avait une bonne défense spéciale. Hein. Je sais pas si vous en pensez, mais... parce que... Il a fallu qu'on lui mette 3 coups pour qu'il meure, hein, quand même. Ok, Noyer monte niveau 7, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir aller le soigner et affronter Flora. Voilà, j'annonce, on va affronter Flora dans cet épisode, ou alors, je fais un peu plus... On est à quoi, bientôt 20 minutes? Ah, peut-être un peu plus. Bon, allez, on va continuer à s'entraîner jusqu'au niveau 10. Voilà, jusqu'au niveau 10, et... Hop. Je fais ça en accéléré, comme ça, vous... Bah, je vous parle et vous voyez pas le temps passer. Yeah! Trop de force en lui. Oh, le coup critique qui est très bien passé. Waouh! Ok. Quoi? Non, mais non, mais... Pff. Ok, on est obligé de mourir parce qu'on n'a pas assez de... Ok. Non mais... Non mais c'est dégueulasse. Ok, allez. Tue-nous. Allez. Allez. Mais allez. Ok, bon, avoir un noyeur... C'est... assez problématique. Cadeau? T'es sérieux? Tu veux nous apprendre cadeau? Moi je... Ok. Je rends mon tablier. Bon, ça va, c'est puissant, cadeau. Hop, on va le faire monter jusqu'au niveau 10. Oui, je sais, c'est de la triche, mais... Enfin, de la triche, non, c'est... What? What? Non mais ok. Oh, en plus il rend son énergie. Oh. Ok, il est heureux le célébi là. Vas-y, c'est bon, je suis en colère maintenant. Ah oui, c'est pas très efficace. Bon. C'est pas très efficace aussi. Oh, allez. Voilà. Niveau 9. Pff. Non mais entre cadeau et... C'est quoi son attaque psy déjà? Entre cadeau et balboume, on est vraiment bien servi. Hein. C'est pas possible. Voilà, allez. Alors m'en fous, toi j'ai de niquer, tu vois. Je vais te faire la peau, tu vois. Bim! Je t'ai tué, Célébi. J'ai détruit ta mère. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Cool, un goût petit. Allez, niveau 10. Maintenant. Voilà. Eh ben. Bon, on va pouvoir aller affronter notre amie Flora. Voilà. Amonistar tue des... Ouh. Ah d'accord, il avait fait étincelle. Amonistar... Ouais non, mais non, ça n'a pas de rapport avec le type. J'ai fait exprès de pas mettre de rapport avec les types. Alors voyons, les Pokémon trouvés sur Route 103 comprennent... Oh salut Kaito, je vois mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Ouais. Je vais te montrer ce que c'est d'être dresseur. Pam, 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 pam. Yeah. Oh, un Charmillon. Il est trop mignon, Charmillon, je trouve. Ouh, par contre, il va nous faire mal. Ah, ça va. Ça va. Ça va, on va... Bon, heureusement, on est haut level, hein. Voilà, hein. Ah oui, quand même, 172. Ouais, je sais, on a été génial. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père gagne un os sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir, il t'aime déjà, putain. Ok, bon bah retournons au labo. Alors, je vais juste le faire monter niveau 11. Parce que voilà, moi je suis comme ça. Voilà. Alors, je voudrais voir aussi ses stats. Ah, il est une très... Waouh, mais il a des stats de malade. Enfin, c'est moi où il a des stats de malade. Enfin, après, j'ai jamais eu beaucoup d'hyporois, donc je peux pas vraiment dire. Mais, enfin... il m'a l'air d'avoir de sacrés stats, quand même. Hein, parce que... Je sais pas, mais... Enfin, voilà, quoi. Hop. Alors, oh bonjour Kaito, il paraît que tu as battu Flora, belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Kaito, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. Yeah. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout, à chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Kaito. Toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pokéball. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais explorer un peu la région. Si je trouve des Pokémon mignons... Voilà, hop. Attends, Kaito. Kaito, as-tu fait connaissance avec le prof Seko? Oh, quel adorable Pokémon, le prof Seko te l'a donné, c'est gentil. Tu es bien comme ton père, tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Merci. Hop, voilà, on s'en fout. Voilà. Hop, voilà. Alors. Bon, du peu qu'on a vu comme Pokémon ici, il n'y a rien de très... Ah, mince, j'ai foiré mon attaque. Hop, il n'y a rien de très... très spectaculaire. Alors, on va se soigner et... Voilà. On va se soigner, on va aller dans... On va aller dans une nouvelle zone. Voilà, ici. Et... Mais non. Ah mince, c'est vrai. Ok, certainement un... Oh. Voilà. Certainement un Pokémon de type... Non, pas de... Ok. Pas de monaflémite. Non plus. Oh, un Pichu, il est trop choupi mimi. Mais non. Encore? Mais non, j'ai mince. Ok, en plus un Pokémon de type feu. Alors, on va les soigner puis on va aller faire un combat. Ah oui, j'utilise beaucoup l'avance rapide, je sais. Mais voilà, c'est pas grave. Hop, c'est pas un souci. Voilà. Alors, on va faire ce combat, on va essayer de trouver un... Un Pokémon à capturer. Et puis ensuite on s'arrêtera là. Ça fera un bon petit épisode. Alors Quillfish acide. Oh ça va, ça empoisonne pas acide je crois. Je crois que ça fait juste baisser l'attaque. Enfin la défense. C'est l'un des deux, c'est l'attaque ou la défense, je sais plus. Niveau 12 déjà. Alors je crois qu'il a pas beaucoup de PV, mais par contre niveau des attaques et tout, il prend masse. Hein. Mais non, j'ai dit pas de monaflémite, mec. Alors qu'est-ce que t'as d'autre à me... Un Pikachu. Bon allez, juste pour le style. Yeah! Trop bien. Alors, oui, nanana. Ok. Alors, Pikachu, c'est une souris électrique. Allez. C'est quoi ma souris? Ok. Non. Ouais, si, allez, c'est un Pokémon de type électrique, alors on va l'appeler... on va l'appeler comme ma souris, voilà. Je trouve ça drôle. C'est Newtiteuf qui m'a donné cette idée. Crawfoo. Voilà. Parce que moi, j'ai une souris bas de gamme. Ah mince, j'ai pas vu. Bon, bah tant pis. Hop. Alors, Ludicolo. Ah mince, on n'a même pas regardé les stats de Crawfoo. Ok. Alors, en plus, je les change. Alors. What the fuck? Le combat ténèbres. Combat ténèbres. Sérieux. Le mec, à lui tout seul, il est juste pas possible. Combat ténèbres. Ah, Cafouille, ouais, ton attaque. Allez, mais allez, réussis ton attaque là, quoi. Ok, bah, tu en réussiras plus, de toute façon, il y a trop de brouillard. On va essayer une dernière fois, ok. La dernière. Ok, on va changer et on va envoyer Noyers. Ok, tu le passes. Ouais. Crawfoo, il monte niveau 4. Hop, on va faire du switch, hein, parce que du coup... il a plus déjà d'attaque. Bon, c'est pas mal quand même. On a quand même un bon Pokémon, je veux dire. Crawfoo, il est quand même... il est quand même pas mal. Puis, Newgorou aussi, il est pas mal. Même s'il est un peu nul. Il va être beaucoup nul, mais voilà. Yeah, Crawfoo, il vient de monter niveau 5. Je prendrais bien un accent raciste, mais justement, ce serait un accent raciste et ça va pas plaire. Et mec, t'aimes pas les accents racistes? Excusez-moi, franchement, j'ai honte de moi là, j'ai honte. J'ai très honte. Bon, ça va bientôt faire 30 minutes qu'on est déjà en vidéo. Alors, je pense que les... Oui, parce que je vais quand même commencer à parler de la série. Parce qu'on rigole, et tout, mais faut que ça avance la série. Donc les épisodes de la série seront le... Oh, je veux. Oh non, vas-y, ah non, tu vas pas me faire ça, mec. Non, non. Ok. Ok. Je m'en fous, tu peux le tuer si tu veux. T'as lui. Et puis de toute façon... T'es paralysé, normalement. Mais vas-y, mais t'es paralysé, là. Et je peux pas, ce serait trop risqué. Putain. Ok, bon, c'est bon. Et là, il s'en va. What? C'était la dernière? Oh mon dieu, ah, c'est trop bien. Alors, Germignon, c'est un mâle, c'est aussi un Pokémon de type herbe qui a une feuille. Quand il évolue, il devient une fleur. Migler, parce que mignon et fleur, voilà. Ok, infect, tu dégages. Maintenant, nous on a... Eh, oh, tu t'en vas, hein. On a machin, donc s'il te plaît, tu t'en vas. Bon, on va regarder quand même ce qu'il est comme type. Alors, toi tu as quoi? Ah oui, tu absorbes eau, et les canons, et ligotage. Ouais, non, franchement, bon, mis à part son attaque spéciale qui est nulle, sinon il est vraiment puissant, hein. Ouais... Donc c'est certainement... Ah bah non, c'est un type insecte. Voile sable, évasion si tempête de sable, ok. C'est un type insecte qui connaît des attaques de type combat. Pourquoi pas. Alors... Migler, tu vas... On va aller ici pour t'entraîner. Voilà. Moi j'entraîne, de toute façon... De toute façon, vaut mieux entraîner trop tôt que trop tard. Ok, bon, on va continuer. Ah, ok, on va pas continuer. Allez, mais réussissez les canons, là. Putain, ouais, voilà. Merci. Fou, ces Pokémon qui loupent leurs attaques. Alors, je pense qu'on va entraîner... on va finir... d'entraîner Ah oui, quand même. Mince. Oh, bon, bah voilà. Comme ça. Alors, j'ai vu que c'était... Ouais, c'est ça, c'est super efficace. Ok. Donc, ok, certainement un type ténèbres, normal. Comme... Comme Roucoups, d'ailleurs. Un truc comme ça, hein. Ok, donc là, c'est... C'est pas du tout efficace. Ok. Et ben, hop, tu t'en vas. Alors, Migler est déjà niveau 7. Hop. Alors, on a dit non, puisqu'il craint... Voilà. Oui, bah, je m'en doutais que... Voilà. Alors, si jamais... Voilà. A pris pince-masse. Ok. Alors, pince-masse, si je me trompe pas, c'est une attaque qui donne plus de coups critiques que la normale. Comment il monte vite, oh. Ah, moi, je vous le dis, les gens, il n'y a pas à tortiller. Migler, on le fait évoluer. Cet épisode-là, il évolue qu'au niveau 14, donc ça va être simple. En plus, il y a tellement de Pokémon de type acier. Ah, mais c'est ça. Vous prenez Yamfect et tout, ils sont de type acier. Ok, niveau... Ouais. Alors, normalement, quand ils évoluent, ils devraient changer de type aussi, hein. Ça, je... Normalement, hein. Ouais, bon, de toute façon, ça l'a... Voilà. Alors, je... Même si Migler est vachement faible, hein, on va regarder ça tout de suite, mais par rapport à... Chaque fois, je me trompe de touche. Par rapport à... Ouais, par rapport à Noyeur, il est quand même vachement plus faible. Mais je trouve qu'il se défend quand même pas mal. peut-être parce qu'il y a pas mal de Pokémon de type acier et tout, mais je trouve qu'ils se défendent pas mal. Ah, on va monter maintenant ici pour what? Ok. Alors toi, double pied. Voilà, tout le monde connaît maintenant. Apprends berceuse. Ouais, c'est pas super, hein, berceuse. Hein, un Rosalia. Oh, ça va. Un autre. Hop. Ok, excusez-moi, c'est mon téléphone qui vient de sonner. Si vous avez entendu, bah... Ok. Un bras égalier normal, comme ça, dans la nature. Coucou. Je vois ma... J'ai rien dit. Pardon, excusez-moi. J'avais oublié que des enfants m'écoutaient. Bon, il va bientôt monter au level 14. Hop. Voilà. Au level 14. Allez. Voilà. Allez, le level 14, s'il te plaît. Vas-y. Copain. T'es un copain? Vas-y. Non. Toujours pas. Prochain combat. Prochain combat. Voilà. On va avoir le droit à notre première évolution. Hein? C'est pas niveau 14 qu'il évolue? Attendez, je regarde. Je me serais foiré. Ah bah oui, c'est niveau 16. Ah, c'est Hérissante qui est niveau 14. Bon, bah c'est pas grave. Je vais mettre tout le monde au niveau 14 pour le prochain épisode. Comme ça... Voilà, ce sera mieux pour vous, vous n'aurez pas besoin de me voir XP comme ce que je viens de faire et vous faire chier. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que cette série vous plaira. Un random Nuzlocke Challenge... Non, mais qu'est-ce que je raconte moi? C'est pas un random Nuzlocke Challenge, excusez-moi. Hein. Un full random. Voilà. Un full random. J'espère que cet épisode vous plaira, que cette série full random vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de pouces verts, plein de commentaires, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.